coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi quelque chose, 26? Je sais pas, je crois que c'est ça. Jeudi 26 novembre. Là, il est quasi 13h. J'ai pas encore eu le temps de vlogger ce matin puisque ce matin, c'était le caté pour Sarah et je suis avec elle au caté. Donc, de 10h à midi, déjà, on n'était pas à la maison. Et puis voilà, après le temps de préparer à manger, de manger, etc. Je n'ai pas encore eu le temps de vlogger, mais voilà, c'est chose faite. Le vlog est ouvert. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous à la maison. Tout va bien. Les filles, donc Romane et Raphaël, sont parties chez leur maman pour ce week-end. Donc à la maison, il y a Sarah, Roxane et Gabriel. Voilà. Et voilà ce qu'il y a de nouveau. Sarah va beaucoup mieux. Ce matin, elle a pu aller au caté, donc c'est que ça allait beaucoup mieux. Hier, il n'y a pas eu du tout de vomissement. Donc, ça va quand même beaucoup mieux. C'était vraiment une journée pas bien du tout. Mais voilà, on est sur du beaucoup mieux. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu cet après-midi? Il faut qu'on passe à action parce que ce matin au caté, ils ont demandé aux enfants de préparer la couronne de l'Avent. Donc j'ai promis à Sarah qu'on allait le faire. Donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est une couronne de l'Avent. Je sais qu'il y en a qui s'en... pas que les steaks. Voilà, il y en a qui s'en foutent. Mais je sais qu'il y en a que ça intéresse. Il y en a qui connaissent pas du tout... la chrétienté, le catholicisme, etc. Et du coup, ils s'intéressent aux différentes religions. Voilà, ils ne sont fermés à aucune religion et aiment bien avoir quelques explications puisque j'en ai déjà eu des demandes dans les commentaires. Donc, quand on fera la couronne avec Sarah, Sarah vous expliquera... Ah, il a mangé la saucisse. Sarah vous expliquera pourquoi on fait une couronne de l'Avent et quel est le... pas le fonctionnement, mais comment on pourrait dire ça? La symbolique de la couronne de l'Avent. Voilà, donc il faut qu'on aille à action chercher des bougies pour faire cette fameuse couronne et des petites boules de Noël pour décorer autour. Enfin bref, il nous faut de la petite décoration action. Il faut aussi qu'on fasse des courses pour jusqu'à lundi, c'est ça? Jusqu'à lundi midi. Et moi, de 17h à 18h, après je ne suis pas là puisque j'ai une réunion pour ma future confirmation. C'est une réunion d'une heure avec d'autres personnes. Donc, il faut que je le fasse aussi. Sachant que ce soir, on est en live YouTube aussi pendant une heure et demie. Parce qu'après, je vous embête pas parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder la finale de la Starac. Moi, clairement, je vais la regarder en replay parce que vu qu'ils la font à 22h, ça va finir à pas d'heure. Donc, je la regarderai en replay demain, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, voilà, sachant que demain c'est messe obligatoire parce que c'est la messe des familles, donc les enfants du caté doivent y être, et l'après-midi on fait le sapin aussi demain, donc on a un week-end quand même assez chargé. Donc voilà, là je vais boire un bon café parce que je vous avoue que je pique du nez, j'ai très mal dormi cette nuit, je crois à 3h30, 4h, je dormais pas, sachant que je me suis levée à 8h30 ce matin, ça m'a un peu piqué, et que j'ai pas fait genre 4h de sommeil d'affilée, je me suis réveillée tout le temps, et franchement c'était un peu galère, donc là je suis un peu chaos technique aujourd'hui, mais ça va le faire, et voilà. Donc c'est parti pour cette journée avec les hiboux où c'est toujours en mode chargé, où on n'arrive jamais à se poser parce qu'on est à droite, à gauche, à l'ouest, au nord, au sud, partout en même temps. Voilà. Bon, j'ai fait mon petit coffee time, du coup on passe au devoir pour Sarah. Elle a demandé à sa copine les devoirs qu'elle avait pour lundi, donc elle a tout envoyé. Heureusement que Soumeya est là hein, quand même. Hein, c'est vrai mon chat. Comme ça, tu peux vraiment avoir tes devoirs. Donc là, elle a de l'anglais. Elle doit savoir écrire les chiffres de 0 à 20. Elle doit savoir les dire et elle doit savoir les écrire. Donc du coup, c'est les dire, ça va. Les écrire, c'est un peu plus compliqué. T-H-E-L-V-E. Oui. 13, c'est 13. Donc du coup, on passe aux devoirs et puis après on ira en balade. Je vais déjà y faire l'anglais parce que c'est le plus compliqué. Après, il me semble qu'elle a des maths, mais ça va aller vite. Et après, elle a une nouvelle leçon sur la lettre G. Quand G fait G, je crois. Quand elle fait la lettre fait G ou quand elle fait G,
voilà, comme gomme, j'ai vu. Donc il va falloir que je lui explique ça, mais je pense que ça, je le ferai demain. Je vais faire aujourd'hui l'anglais et les maths, et on verra demain pour la nouvelle leçon. Voilà, donc on continue les devoirs d'anglais. Sa mère l'hypopète, que c'était dur! C'est dur, hein, aujourd'hui. L'anglais, c'est pas ton fort, hein, moi je te le dis, hein. On est dans le caca, là, hein. Ce sera pas une bilingue, hein. J'arrive juste à dire les mots. T'arrives à les dire, mais t'arrives pas à les écrire. C'est compliqué, hein. Mais bon, on va pas désespérer, on refera un coup ce soir et on verra bien. Ces mathématiques, c'est fait. Ces mots de dictée, c'est fait. Donc demain, il restera la leçon sur le son G. Et je, comme genou, gomme, gare. Voilà. Ouais. Et c'est tout, je crois. Oui, je crois que c'est tout. Moi, ce sera déjà pas mal. Donc, du coup, on y va, let's go. On va à action. Ah oui, c'est parti, let's go. À action, chercher les bougies. Oh, il fait un temps de caca dehors, il y a encore du brouillard, quoi. J'en ai marre, moi. Du soleil. Je vais être en été. C'est possible ou pas? Pas tout de suite. Ou alors faut qu'on déménage, mais loin. Ah oui, bah là, faut qu'on aille loin parce que je crois qu'il fait pas beau partout. Dans les pays africains, il doit faire beau. Non, mais non, France, moi je te Ah non, parle. mais moi je te parlais loin, vraiment loin. Non, non, bon, allez. On se motive, on va aller dans le brouillard. En vrai, les amis, j'en ai marre d'avoir froid. Mais pour du vrai, j'ai froid dehors, j'ai froid dedans, j'ai froid la nuit, j'ai froid tout le temps. J'en ai vraiment marre d'avoir froid. Franchement, je suis blasée de ce temps. Regardez derrière moi, il fait vraiment brumeux et tout. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Moi, je suis une fille au soleil. Moi, je suis pas faite pour le temps d'hiver où il fait froid comme ça. C'est pas possible. Oh là là, on sort dehors. Alors déjà à la maison, je suis une cugelée. Indy, c'est vrai. Alors que là, aujourd'hui, ça va. Ben, moi, j'ai froid. J'ai Oui, non, mais 15 000 couches je sur moi. comprends. J'ai froid. Froid. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai froid. Je veux être dans ma couette au chaud avec du chauffage et tout. Mais j'ai froid. Bon, prête? Oui. Ouais, on même s'il essaie de fait trouver très des très bougies du froid. coup Oui. pour la couronne de l'Avent, des petites boules de Noël pour décorer. Ouais. Ouais. Et puis on verra ce qu'on trouve, quoi. Je crois que je sais pas si c'était à Action ou Ouais. à un autre magasin, mais Oui. je crois que j'avais vu des boules Mickey avec des Mickey dessus et Oh, des mais on va pas flocons. mettre du Mickey sur la couronne de l'Avent, ma poule. Non, pour le sapin de Noël. Ah, d'accord. On va voir ça. Alors, là, t'as pris celle-là. Tu veux une autre taille? Bah non, faut que tu prennes de la même couleur. Une petite. Alors, attends, on va mettre dans le truc, fais voir. Petite. Et il t'en faut encore deux autres. Il t'en faudrait une ronde. Une boule. Aujourd'hui, c'est un calvaire pour moi, les amis. Il y a du monde partout dans les magasins. On a fait action, c'était blindé, les gens nous poussent, et un truc de malade. Et là, on sort du Leclerc et c'est pareil, les gens nous ont poussés. Genre, Gabi, elle a pris des trucs pour elle à la caisse. Elle a pris du saucisson à boire, enfin bref, du truc pour elle, quoi. Donc, elle sépare nos courses des siennes. Et bien, la dame derrière, elle a mis les courses à Gabi dans nos courses. Donc Gabi, elle a remis ses courses. Hein, bref. Les gens sont fous, mais ça, c'est ce que je disais à Mathieu, c'est l'euphorie de décembre qui arrive là. C'est l'effet Noël, ouais. Ouais, les fêtes et tout. Les gens, ils deviennent, je sais pas, excités, énervés, anxieux, j'en sais rien. Mais alors moi qui aime déjà pas la foule et les magasins, bah là, j'aime encore moins le mois de décembre. Je crois que je vais hiberner, je crois. Ils étaient mous. Ouais, oh non, mais. Soit des fois ils te poussent, soit ils avancent. Ah, rien, franchement rien m'a plu, c'était pas agréable pour moi. Donc là, on range les courses dans la voiture et on rentre à la maison. Bon, après, je repars à 17h, sachant qu'il est déjà 16h10, ça va aller vite. Mais vite, 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 on sort des magasins. Quelle course, mais quelle course, les amis. On a fini les courses, je suis rentrée à la maison. Il me restait 10 minutes pour manger un petit gâteau, faire mon petit pipi, etc. C'est ce que j'ai fait, voilà, et je suis repartie aussi sec parce que il est 16h45 et que j'ai rendez-vous à 17h jusqu'à 18h, donc j'avais pas beaucoup de temps, voilà, mais c'est pas grave, ça se fait, hein, le chef, c'est vrai, oui, ça se fait. Facile. Et à
après, là, pendant que moi, je vais être partie, Mathieu va commencer à faire la crèche à la maison, puisque cette année, c'est Mathieu qui la fabrique. Donc, la structure est déjà faite, mais il faut la poncer et... la poncer et la peindre pour que demain on puisse coller l'espèce de foin, paille, ouais, etc. Faire toute la déco autour et que lundi on puisse aller chercher les petits personnages ou les petits santons, je crois qu'on appelle ça comme ça. On ira les chercher à Centre-Accord parce que bah, Leclerc il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de personnages, etc. Donc du coup. Non, lundi on a dit. Oui, lundi, pardon. Oh, je sais plus comment je vis, les amis. On ira lundi. Dimanche, de toute façon, c'est fermé. Donc, c'est même pas la peine. Ou alors, on pourra aller voir à Jiffy, mais on n'aura pas le temps demain. Je sais pas. Si on a le temps, on ira peut-être à Jiffy demain. Pendant que Gabi a fait ce qu'elle a à faire. On va peut-être passer par Jiffy. Faut qu'on regarde. Ouais. À part si ça nous fait un trop gros détour. Faut qu'on regarde. Bon, vous voyez, faut tout qu'on calcule tout le temps. En ce moment, c'est le rush, mais vraiment tout le temps. Là, pour le coup, je pense que vous le voyez dans les vlogs qu'on est partout à la fois. Donc du coup Mathieu va faire ça, les filles aussi elles vont aller chercher de la mousse dehors, de la mousse verte pour la crèche, et il faut que Mathieu coupe les branches du sapin pour pouvoir faire la couronne de l'avant. Et ça j'aimerais bien qu'elle soit faite assez rapidement, parce qu'il faut qu'il y ait une bougie d'allumée demain, normalement, parce que c'est le premier dimanche. Ah il compte au premier dimanche d'accord. Ouais, bah oui, au premier dimanche, okay. Il compte dès demain, faut allumer la première bougie normalement. Trop facile. On est à la bourre sur tout, hein. On disait avec Mathieu, on n'arrive pas à récupérer un rythme, c'est un truc de fou. Enfin bref, donc du coup, Mathieu a des choses à faire pendant que je suis pas là. Ouais. Moi, je vais aller étudier, entre guillemets, un petit cours d'une heure pour me rafraîchir la mémoire. C'est surtout pour ma confirmation. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est préférable d'y aller. Donc j'y vais et puis après ce soir en plus live à 21h. Donc je rentre à 18h, on aura une petite heure pour faire deux trois petites choses si on a besoin à la maison. Et après on mange et après 21h live. Donc ça va encore aller vite les amis, moi je vous le dis. Donc là je vous laisse, je pense pas que tu vas filmer pendant que je serai pas là. On verra, je pense pas non plus, mais bon, on sait jamais, des fois, s'il me prend une envie comme ça. Oui, si Mathieu peut-être qu'il filmera les filles en train de couper les branches de sapin, chercher de la mousse ou je sais pas. On verra, peut-être que ça sera Gabi qui le fera. Oui, peut-être. Vous verrez bien si vous aurez un passage. Sinon, on se retrouve une heure après, mais tout de suite pour vous, quoi. Me voilà rentrée. Est-ce que papa, il a vlogué pendant que j'étais pas là ou pas? Non, il a rien fait du tout. Oh, le coquin. Oui, à part la crèche, mais il n'a pas pris la caméra pour vloguer tout ça. Oh, c'est un coquin. Bon, du coup, me revoilà, pas après une heure, mais après une heure et demie, presque deux heures de réunion. Mais c'est fait, c'était très intéressant, donc je suis très contente de l'avoir fait. Donc du coup, je suis rentrée à la maison. Là, il est plus de 19h, je crois. Il est 19h11, exactement. Donc, je me suis posée dans la chambre parce que je vais vous tourner un haul action. Après, il faut que je mange et il faut faire le live. La journée n'est pas finie, les amis. C'est pas fini du tout. Oh, la vache, la vache, la vache. Il est quelle heure maintenant? Je ne sais plus. Ah, mais j'ai une montre. Attendez. Il est 7h30. Voilà, 19h30. Je viens de finir de tourner ma vidéo au l'action. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir aller manger pour ensuite faire un live. Donc, j'ai dit à Mathieu, déjà, je pense qu'on va faire un live d'une heure, une heure et demie. Parce que vu la journée que j'ai eue, je le fais parce qu'il faut vraiment qu'on vous explique des petites choses et remettre les choses, voilà, relancer la chaîne parce que bah là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vlogué avec tout ce qui s'était passé à la maison. Mais tout ça, je pouvais pas vous l'expliquer en vlog, ça aurait été bien trop long. Voilà, je pense que j'aurais fait comme ma réunion, je vous aurais fait un truc d'une heure et demie, ça aurait été trop long. Donc on s'est dit avec Mathieu que c'était plus facile de le faire en live. Donc là, je fais un live clairement pour vous expliquer la situation, pour remettre les choses dans le contexte, que vous dites pas « oulala, j'ai zappé un truc, machin, bidule ». Je fais pour ça, mais franchement, je suis sur les rotules. Je n'ai qu'une envie, c'est de me poser en mode fière farniente et ne plus rien faire. Mais ce n'est pas possible, voilà. Donc, du coup, je range tout ce bazar là que j'ai sorti et je mange et on se retrouve en live. Mais vous, quand vous verrez ce vlog, n'oubliez pas que le live, c'était hier. C'est pour ça que je vous demande de voir sur Insta, parce que sur Insta, je vous l'ai dit qu'on avait un live à 21h. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas mon Insta, eh ben, vous ne saviez pas. Voilà. Mais
Comme d'habitude, il y aura le replay de ce live. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il doit déjà y être. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Je vous fais plein de bisous. N'importe quoi. Pourquoi je vous dis je vous fais plein de bisous comme si ma vidéo était terminée? Absolument pas. Elle n'est pas terminée. Allez, je range mon bazar. On se retrouve après. Bon. Repas terminé. Le seul truc, c'est que Roxane s'était endormie pendant le repas. J'ai l'impression que mon écran, c'est pas ça qui est ça. J'ai essayé de le nettoyer un petit coup. Ah, c'est un petit peu mieux, ouais. Ouais, du coup, Roxane s'est endormie pendant le repas. Donc, j'espère qu'elle va pas trop galérer à s'endormir ce soir. Mais bon, elle était fatiguée. Donc, du coup, on l'a laissée dormir. Là, il est 21h40. 20h40. Si c'était 21h, on serait déjà en live. Il est presque 45, donc je vais aller me poser devant le live. Et puis après, il faudra monter le vlog, monter le retour de course, etc., etc. J'espère que demain sera une journée un peu moins chargée, mais franchement, je n'y crois pas du tout. Parce que demain matin, comme je vous l'ai dit, il faut que j'aille à l'église avec Sarah, donc de 10h30 jusqu'à midi à peu près. Et l'après-midi, il faut faire le sapin, il faut faire la couronne de l'Avent, il faut ranger la maison, il faut aussi aller chercher les filles chez leur mère, revenir, faire le reste des devoirs à Sarah. Franchement, je suis blasée là. J'ai l'impression de devoir faire 10 000 choses et de ne pas avoir le temps pour le reste. Là, ma maison, c'est une catastrophe quoi. Mais vraiment une catastrophe, qu'il y en a partout, tout le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire le ménage, quoi, clairement, j'ai pas le temps, et franchement, ça me saoule. Franchement, là, pour le coup, c'est un moment journal intime. Franchement, ça me saoule de pas avoir de temps pour ma maison. Vous savez que pour moi, ma maison, c'est un peu sacré. J'aime bien quand c'est rangé, quand le balai est passé, quand les pièces sont rangées, qu'il n'y a pas 12 000 choses qui traînent. Et là, j'ai 12 000 choses qui traînent, et le balai, il n'est pas fait, et mon linge, il n'est pas fait, et les lits des filles n'étaient même pas faits. Enfin, franchement, ça me saoule un peu. Mais bon, c'est comme ça. Allez, j'essaie de me remotiver un peu pour le live, et puis après... au boulot encore. Encore quelque chose de fait. Ça, c'est fait le aussi. Live ouais. Est fini. On ouais. A fait 1h30 de live. Donc, du coup, on vous a fait la grosse annonce que je vais faire en mini, du coup, là. Ouais. Et si vous le voulez en savoir un petit peu plus, vous regarderez le replay du live. En gros, la grosse annonce du live, c'était le retour de Gabi à la maison H24, on va dire. Ouais, tout le temps, oui. Évidemment, elle va retourner de temps en temps chez sa mère, mais c'est comme les filles, elles vivent H24 ici. Mais elles vont de temps en temps chez leur maman. Voilà, bah Gabi, ça sera un petit peu pareil. Donc voilà, c'était la grosse annonce. Donc si vous vous posez des questions, allez voir le replay du live avant de nous poser la question, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, on a beaucoup répondu. Oui. Et si par contre, vous n'avez pas trouvé réponse dans le replay du live, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc maintenant, après tout ça, ce n'est pas fini, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va monter les vidéos. Ouais. On va monter au moins le vlog. Ouais, le vlog. Et puis après, si je suis motivé, je fais le retour du hall en même temps. Le retour du hall? Il n'y a pas que moi qui est fatigué. Hein. Oui, le hall, quoi. Le retour du hall. Le hall action, non, le retour j'allais action. J'allais dire le retour de course, mais en fait, c'est pas un retour de course. Non. C'est pour ça. C'est pas ça. Mais oui, je suis aussi un peu fatigué. Tu vois mes yeux, là, regarde, ils sont fatigués. Moi aussi, hein, regarde. Ouais, bah on les voit même plus, d'abord. Ouais, tu vois, je fais ça, je dors. Attends, j'ai fait un test. On fait un test, hein. Je vais arranger mon lit. Ah ouais, alors. Allez. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Je crois que j'en ai rêvé toute la journée de faire ça. De me pousser. Putain, ça c'est fatigué. De m'épouser toute seule, peut-être. De me poser dans mon lit avec mon ciel étoilé que vous voyez pas. Regardez-moi ça. Bon, bref, vous en avez vu qu'un petit bout. Mais de me poser comme ça, au calme. Écoutez-moi ça. Ah, c'est pas mal. Sauf qu'on a la voisine, là. Il est quand même 23h. Oui, 22h49. Gabi, elle vient me dire, c'est qui habite au-dessus de nous? Alors, je lui dis, bah, le proviseur adjoint. Il a mis la musique archi fort. En fait, non, c'est la voisine d'à côté qui a mis sa télé ou sa musique, je ne sais pas, archi fort. Du coup, Gabi, elle me dit, ouais, on croirait dans ma chambre, c'est le karaoké. Donc j'espère quand même que ça va se calmer.
Moi, ça me fait du bien d'être allongée parce que je vous avoue que là, la journée, elle a été éreintante parce que pour le coup, il n'y a pas d'autre mot. En gros, on s'est levé, il était 8h30. Depuis 8h30 jusqu'à 7h-ci, je ne me suis pas posée, mis à part pour manger à midi et ce soir. C'est tout. Mis à part ça, franchement, ça a été vraiment la course et je pense que demain, ça va être pareil. D'ailleurs, Gabi, elle m'a demandé que tu lui sortes sa valise, mon chat. Ouais, pas de soucis. Donc, du coup, voilà, là, Mathieu, il a monté le vlog, il reste plus qu'à bidouiller ce petit bout-là. Est-ce que t'enchaînes par action ou pas? Est-ce qu'on le met demain ou pas? Non. Ok, donc vous aurez un haul action. Lundi. Non, pas lundi. Ah, si. Non. Si, putain. Ah Oui. si, demain, mais dimanche. Oui, alors vous aurez un haul action lundi, et du coup, peut-être que je vloguerai pas et je garderai mon jour un peu de repos. Comme ça C'était me un peu reposera un petit l'idée, peu. ça. Ouais, parce que je pense que pour le coup lundi j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien qui presse. Je pense que je vais me reposer un peu parce que là, je pense qu'au bout d'un moment je vais me retaper des migraines comme jamais et clairement j'ai pas envie parce que bah voilà j'ai autre chose à faire que d'avoir des migraines et ceux qui en ont savent à quel point c'est pas agréable. Voilà. Donc je pense que lundi vous aurez le retour action qui dure quand même un petit moment parce que il dure au moins 15-20 minutes donc il y a quand même du contenu. Et moi, je me reposerai lundi. Mais de toute façon, en tout cas, il faut que je vlogue demain. Voilà, parce que c'est la journée de préparation de Noël et on la vlogue tous les ans, depuis qu'on a commencé les vlogs. Et qu'après, en plus, il faut que je vlogue à partir de jeudi, tout le temps. Voilà. Donc, repos autant qu'on peut, les amis. Voilà. Moi, je vous laisse là. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera pas mal. En plus, pour ceux qui n'ont pas pu assister au live, vous pouvez regarder le replay en live. Il n'y a pas de souci sur ça. Dans le Le live, il live en replay. La dame, elle est fatiguée. y a un truc qui va pas. Le live en replay. Et on se retrouve demain dans un nouveau vlog où j'espère je serai moins fatiguée que celui-là. On croise les doigts. Demain, faut que je prenne mon fer et mes vitamines parce que ce matin, je les ai pas pris. Donc, ça Ah sera bah peut-être voilà. bien que je les prenne. Voilà, j'ai raté qu'une journée. Ouais, il faut que je les prenne demain. Allez, les amis, je vous laisse là. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker et de commenter si on en a envie. Plein de gros bisous et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao.